Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, troisième jour à Londres et comment dire, je souffre énormément par rapport à mes ampoules. Je viens de mettre mes chaussures, je sais pas comment je vais faire. Je vais aller au premier Boots là, qui était fermé hier soir. Je vais aller au premier Boots acheter des pansements spéciaux brûlures pour ma grosse ampoule. Ça me fait extrêmement mal et je pense que je vais aller me diriger pour aller m'acheter des sandales pour pouvoir, ou des claquettes, ou je sais pas, pour pouvoir avoir l'arrière du pied libéré, parce que là je vais pas réussir à marcher en fait. Là je sais même pas comment je vais aller au bout, ce qui est à 7 minutes à pied, donc ça risque d'être compliqué. Aujourd'hui le programme c'est Buckingham Palace, la relève de la garde. Je voulais faire Westminster Abbey, ensuite je voulais faire le muséum d'histoire naturelle et puis bah faire le parc Hyde Park et St James Park, et puis voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais noté. Voilà, j'espère que je vais réussir à faire tout ce que je veux aujourd'hui. Ça va être compliqué je pense, mais je vais prendre mon temps. La relève de la gare c'est à 11h30 et là il est 9h. Donc je vais essayer de prendre mon temps pour y aller, pour acheter des chaussures, en espérant que ça me libère le pied. C'est parti. Vous n'imaginez pas mon bonheur actuellement. Oh mon dieu, j'ai galéré à aller jusque Primark. Je suis d'abord à la Boots, j'ai trouvé à rester des gros pads pour mettre sur les brûlures là, donc j'ai pris ça. Par contre ça va coûter 4 pounds alors qu'il n'y en a que 2 qui passent, les autres sont trop petits donc je vais devoir en racheter. Mais ça n'a pas de prix pour mon confort. Et je viens d'acheter les sandales à Primark, j'ai galéré jusqu'au Primark et là je suis mais dans le bonheur le plus total. Je n'ai plus mal. Oh, je vais enfin pouvoir aller marcher tranquillement jusqu'à Buckingham pour aller à la relève de la gare. J'ai cru que mon séjour a été foutu et je me sens tellement mieux. Avoir oublié mon selfie stick, mais non, le voilà. Donc je suis posée à Hyde Park, il est midi 24, ma montre est immonde. Je pensais aller directement à Harrods avant d'aller au muséum d'histoire naturelle, mais je vais me poser là tranquillement. Il y a la route qui est juste derrière, en fait je suis pas dans le parc en totalité, mais je suis au début du parc. Je vais me poser là pour manger. Je vais me reposer un peu parce que bon, au niveau des pieds ça va quand même beaucoup mieux, hein, mais il faut que je repasse à un Boots pour racheter des pansements. Parce que il n'y en avait qu'une seule boîte à la pharmacie tout à l'heure. Il faut que je prenne du sparadrap parce que ça tient pas forcément super bien. Donc je mange ici dans quelques minutes. Et après je vais à Harrods, à Boots, à Harrods. Après je vais du coup au muséum d'histoire naturelle et après je fais Hyde Park. Voilà. On va pas trop marcher, je vais prendre du temps, je vais faire plusieurs pauses pour bien laisser mes pieds. Se retrouver, n'est-ce pas? Et puis
Il y a un autre Primark à la sortie du Hyde Park, donc j'irai jusqu'à cet endroit-là. Je vais essayer de parcourir Hyde Park tranquillement et faire des pauses régulièrement. Voilà. Non, du coup, je vous ai pas montré mes sandales, mais les voilà. Et regardez-moi, cette ampoule-là qui la pire en fait. La peau a été enlevée. Et du coup, c'est un pansement spécial brûlure parce qu'on peut pas mettre de pansement spécial ampoule comme j'ai pu mettre là, qui tient très très bien d'ailleurs. Parce que là, il y avait encore la peau. Mais là, du coup, la peau a été arrachée avec le pansement que j'ai acheté hier, spécial ampoule, que j'ai mis parce que j'avais que ça sous la main. Et du coup, là, tu vois, il se détache. Donc, je pense que je vais le changer et je vais mettre un sparadrap pour que ça tienne tout le long et je vais en racheter. Donc là, je viens de finir de manger un petit sandwich. Donc, je viens de prendre le temps. J'ai discuté avec ma cousine sur Facebook. Il est 13h. 13h16. Ça fait une petite heure que je suis là. Je vais repartir. Je vais y aller mollo aujourd'hui, je vais me poser plusieurs fois. Je suis pas pressée, j'ai le temps. J'ai juste à faire le muséum à Rhodes, tout ça, il n'y a pas d'horaire. Bah, surtout qu'on a un début d'après-midi et je finis l'après-midi à Hyde Park. J'étais dans ce petit espace, il y a des petits pigeons. C'était plutôt mignon. Plein de petites fleurs. Voilà, mon banc était là-bas. C'est plutôt joli. Bon, le soleil arrive à peine enfin. C'était prévu nuageux ce matin, ça devrait commencer à se découvrir là. Le temps que je fasse le musée, à mon avis, ça sera parfait après pour faire des belles images à Hyde Park et des belles photos. Voilà. Je vais repartir par là, je pense. Et la route qui est là, c'est ça, c'est du bruit. Par contre, à Londres, il y a énormément de vent. Donc voilà. C'est joli par là aussi. De toute façon, je ferai tout ça tout à l'heure. C'était pas beau, ça ? L'ambassade française. Entre l'entente franco-anglaise et juste en face il y a l'ambassade du Koweït. Je suis dans Hyde Park et c'est assez drôle parce qu'on a là le passage piéton
c'est du coup le trottoir pour les piétons. Et là, c'est pour les chevaux seulement. Et là, c'est pour les vélos. Et après, c'est pour les voitures. Chacun a son petit chemin. Bon, bah, je vous retrouve le lendemain. J'ai oublié de... Enfin, j'ai oublié. J'avais la flemme de conclure le vlog hier, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'après Hyde Park, du coup, je suis passée à Primark. Je suis passée à Victoria's Secret. Et je fais deux autres boutiques, je crois. Et en fait, je commençais à avoir mal sous le pied. Et en fait, du coup, j'ai eu du mal à rentrer. Je suis rentrée, il était 20h. Je suis passée à un McDo prendre genre 2-3, enfin quelques nuggets et tout. Et je voulais rentrer, donc il était 20h quand je suis rentrée. J'ai vite fait un festin avec mes parents. Et en fait, je me suis couchée, je me suis endormie super tôt. Donc là, je me suis réveillée à plusieurs fois, mais là, il est 8h30, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, je vous continuerai le vlog. Je finis le vlog et j'en commence un nouveau. Mais en gros, je vais changer un peu mon planning. Aujourd'hui, je vais avoir une super grosse journée aussi, mais je vais la reporter à demain. Pour aujourd'hui, vraiment reposer mes pieds, reposer mon corps. Mais je vous expliquerai du coup, je referai dans l'intro du prochain vlog, je vous dirai. Je vais juste montrer du coup ce que j'ai fait hier sur la carte. J'ai fait, je voulais faire une petite journée hier, j'ai fait 18,5 km. Donc aujourd'hui, il va vraiment falloir que je diminue. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la carte. Et puis voilà, je vous montre ça. Donc hier, je suis descendue, pouf pouf pouf, j'ai pris le même chemin. Je suis descendue jusque là, non, n'importe quoi. Je suis descendue comme ça, tac tac tac, jusqu'à Buckingham Palace. Après, j'ai traversé machin, donc là j'ai dû faire un truc comme ça parce qu'il n'y a pas de passage piéton. Je suis passée tac tac tac, j'ai déjeuné par là. Après, j'ai été à Harrods. Après, je suis passée comme ça. Tac tac tac, j'ai été jusqu'au Muséum d'Histoire Naturelle, je suis remontée là. Là où il y a Primark, après j'ai fait comme ça, tac tac tac, là par là il y a Victoria's Secret, et je suis remontée tac 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 tac, et je suis remontée jusque l'hôtel, voilà. Donc voilà pour ce lundi, et eh bien je vais conclure maintenant pour commencer l'autre vlog. J'espère que la petite journée vous aura plu, et puis on se retrouve pour la suite très bientôt.